Togolaises, Togolais, mes chers compatriotes, au moment où nous célébrons le 62e anniversaire de l'indépendance de notre pays, je voudrais avec vous rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits tout au long du chemin que nous avons parcouru depuis le 27 avril 1960. Je rends hommage aux héros de l'indépendance, ces hommes et femmes, célèbres ou moins connus, qui ont chèrement payé le prix de notre liberté. Nous resterons reconnaissants à l'endroit de toutes les figures, courageuses et patriotes, qui se sont battues pour l'avènement d'un Togo libre et indépendant. Leur sens du sacrifice nourrit notre engagement à poursuivre résolument l'œuvre de construction de la terre de nos aïeux, à promouvoir son rayonnement et à préserver la cohésion sociale. Mes chers compatriotes, depuis maintenant 2 ans, l'irruption de la pandémie de la COVID-19 a considérablement perturbé nos vies sur les plans sanitaires, économiques et sociaux. Je voudrais réitérer mes sincères condoléances aux familles qui ont perdu des parents ou des proches et souhaiter une prompte guérison à ceux qui malheureusement sont encore malades. Je voudrais aussi remercier tous nos compatriotes qui se sont fortement mobilisés pendant cette crise pour gérer et contenir la pandémie, en particulier les personnels de santé sur toute l'étendue du territoire, les membres du comité de riposte, le conseil scientifique, les médias et les acteurs de la société civile. Je suis convaincu que les nombreuses appréciations positives que nous avons reçus pour la gestion de la pandémie sont aussi dues aux mesures innovantes que nous avons prises et aux valeurs de concertation, de discipline et de solidarité auxquelles nous sommes toujours attachés. Les statistiques de contamination qui s'améliorent depuis quelques semaines nous encouragent à maintenir notre constante vigilance en cohérence avec nos ressources et nos valeurs. Nous devons désormais rester attentifs et apprendre à vivre avec le virus en poursuivant la campagne de vaccination et en respectant les mesures barrières. Mes chers compatriotes, le monde traverse une conjoncture marquée par une superposition de crises d'une ampleur jamais égalée. Cette situation, exacerbée par la guerre en Europe et ses conséquences, se traduit notamment par la dégradation de l'économie mondiale. Elle est particulièrement ressentie sur les prix des produits de première nécessité et des produits pétroliers et entraîne un risque majeur en matière de sécurité alimentaire. Au plan régional et sous-régional, le terrorisme et l'extrémisme violent mettent à rude épreuve la quiétude des populations et la stabilité des États. Une prise de conscience collective quant aux causes et conséquences de ces fléaux est nécessaire pour que nous travaillions tous ensemble à la recherche de solutions durables. Au plan national, l'attaque terroriste de Sanluanga, dans la préfecture de Pendjal, repoussée par nos forces de défense et de sécurité, a confirmé la nécessité de poursuivre nos efforts pour éradiquer ces menaces. Je salue donc l'action déterminante de nos armées,
qui défendent nuit et jour l'intégrité de notre territoire et assurent la sécurité des personnes et des biens. Je m'incline devant la mémoire de nos braves soldats qui ont perdu la vie dans l'exercice de leur mission, notamment au Mali. Je voudrais redire notre compassion et notre solidarité à leurs familles et à leurs frères d'armes. Mes chers compatriotes, malgré la conjoncture difficile, notre pays affiche un taux de croissance économique de 5,3% pour l'année 2021. Cette performance encourageante confirme que nous devons continuer de nous appuyer sur les forces de notre économie, mais aussi sur des mesures sociales, innovantes et inclusives. La transformation structurelle de notre agriculture reste un pilier essentiel de notre politique de développement. Elle sera poursuivie par la création, à la fin de l'année, d'une agence de transformation agricole et par la restructuration et l'accroissement des capacités d'intervention du mécanisme incitatif de financement agricole, MIFA. Une attention particulière est accordée à la mécanisation et à l'irrigation pour augmenter la productivité et les rendements agricoles. Ainsi, au regard des tensions dans les circuits d'approvisionnement mondial, le gouvernement a d'ores et déjà pris toutes les mesures pour assurer la disponibilité et l'accès des producteurs aux engrais à des prix subventionnés. Togolaises, Togolais, le contexte sanitaire et sécuritaire qui perdure dans tous les pays du monde affecte notre pouvoir d'achat et notre bien-être. Nous devons toujours faire appel à nos valeurs de cohésion et de solidarité pour continuer à préserver les plus vulnérables et ne laisser personne de côté. Dans cette optique, le gouvernement a pris des mesures qui vous seront annoncées à l'issue de ce discours. Mes chers compatriotes, mon engagement reste ferme pour faire du Togo un pays résilient et poursuivre les progrès que nous avons enregistrés ensemble. Dans cette optique, les différentes initiatives de protection sociale et de modernisation seront amplifiées. Nous continuerons de nous appuyer sur une gouvernance innovante et dynamique, soutenue par les innovations technologiques pour assurer l'inclusion sociale, financière et numérique de tous nos concitoyens. Le Togo a adopté une stratégie dénommée Stratégie Togo Digital 2025, reposant sur trois axes et visant une transformation digitale pérenne. Elle permettra notamment de faciliter les interactions de l'administration publique avec les citoyens par la numérisation progressive des procédures et des formalités. Cette option requiert des investissements importants dans l'amélioration de nos infrastructures numériques et de la connectivité au réseau mondial. Grâce au dynamisme de notre pays, nous avons récemment accueilli l'atterrissement du câble sous-marin Equiano. De même, le ciblage des services dédiés aux populations en situation de vulnérabilité sera constamment amélioré pour faciliter les interventions sociales de l'État. Ainsi, l'identification biométrique de toutes les personnes résidant au Togo permettra de mettre en place un registre social unique. Cette approche innovante qui allie célérité, efficacité et mobilisation des acteurs locaux et nationaux est déjà mise en œuvre dans le plan d'urgence pour les savanes. Ce programme novateur, conçu au début de l'année et immédiatement déployé,
a déjà permis de renforcer l'accès aux services sociaux de base, notamment l'eau, l'électricité, la santé et l'éducation. Son exécution se poursuit afin de répondre durablement aux préoccupations exprimées par les populations. L'implantation de nouvelles infrastructures socio-économiques s'appuiera sur des critères objectifs et transparents qui seront définis sur la base des résultats de la cartographie des infrastructures existantes afin de contribuer à la réduction des disparités régionales. Togolaises, Togolais, mes chers compatriotes, dans le domaine de la santé, l'assurance maladie universelle et l'accélération de la construction des infrastructures de santé vont consolider les acquis. L'engouement déjà suscité par le programme Wezou pour l'accompagnement de la femme enceinte et du nouveau-né démontre la pertinence de cette approche sociale. En matière d'éducation, notre ambition repose sur un socle complet de mesures qui tient compte des forces et faiblesses de notre système éducatif pour identifier des solutions globales et durables. Elles permettent de répondre aux besoins prioritaires du secteur en mettant notamment l'accent sur le recrutement des enseignants et leur formation, ainsi que la construction en cours des infrastructures. J'ai demandé aux ministres concernés de maintenir les discussions avec les partenaires sociaux pour relever les défis qui subsistent. C'est le lieu de saluer les accords intervenus récemment qui s'inscrivent dans la dynamique de concertation que nous encourageons. Dans cet esprit, les attitudes de défiance à l'autorité, de non-respect des textes et de troubles à l'ordre public sont à proscrire. Le gouvernement y veillera avec fermeté. J'invite donc tous les acteurs sociaux à utiliser les voies légales, à privilégier le dialogue et à éviter les violences. Mes chers compatriotes, notre démocratie continue de se consolider, nourrie par notre volonté de poursuivre la construction d'un état de droit dans lequel chaque institution joue efficacement son rôle et chaque citoyen saisit pleinement la portée de son engagement au service de la patrie. La décentralisation, qui est désormais une réalité de notre quotidien sur toute l'étendue du territoire, nous offre l'opportunité de mieux répondre aux attentes des populations. Ce processus sera complété avec l'organisation des élections régionales dès l'année prochaine. L'Agence nationale de formation des collectivités territoriales en voie d'opérationnalisation va contribuer à mieux outiller les acteurs locaux pour rehausser leur performance dans la gestion des collectivités territoriales. Togolaises, Togolais, dans le but d'une meilleure implication du secteur privé dans la réalisation de nos ambitions, le cadre réglementaire de la commande publique a été récemment revu pour assurer la célérité, la transparence et la réduction des coûts et favoriser l'investissement privé dans les secteurs porteurs de croissance. Par ailleurs, le dynamisme de la jeunesse togolaise doit être encouragé et soutenu afin de lui permettre de prendre toute sa part dans notre marche vers le progrès. La réserve de 25% des marchés publics aux jeunes et aux femmes participe de cette démarche. Je félicite ici les entrepreneurs qui ont saisi cette opportunité et qui la font vivre au quotidien. Mes chers compatriotes, Togolaises, Togolais, en ce 62e anniversaire de notre accession à l'indépendance, il importe que nous renouvelions notre attachement
aux valeurs qui fondent notre vivre ensemble. Notre nation reste et restera une et indivisible. Et chacun d'entre nous a l'impérieux devoir d'en préserver l'harmonie en faisant preuve de plus de discipline, de respect mutuel, de civisme, de patriotisme et de solidarité, nous y parviendrons. Notre responsabilité est de faire de notre patrie une nation unie et forte, telle que les héros de l'indépendance l'ont rêvé, un pays qui comble nos aspirations et nos attentes. Que Dieu bénisse le Togo. Bonne fête de l'indépendance à tous. Merci d'être avec nous pour le 20h de ce mercredi 27 avril. Le Togo commémore les 62 ans de son indépendance. Le président de la République, Faure Essosimna Gnassingbé, vient de prononcer un important discours de circonstance. Nous venons de l'écouter avec beaucoup d'intérêt. Déjà, de bonnes nouvelles concernant la situation de la vie chère. Le gouvernement fait bouger les lignes, des dispositions sont prises dans cette optique. C'est d'ailleurs ce que stipule un communiqué du gouvernement que nous vous proposons d'écouter. Communiqué présenté par le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, professeur Akoda Ayewadan. Communiqué du gouvernement relatif aux mesures visant à soutenir le pouvoir d'achat des populations. 1. Suspension des remboursements de l'avance d'un mois de salaire accordée au début de l'année aux fonctionnaires des secteurs publics, parapublics et aux retraités. Pour lutter contre la vie chère et soutenir le pouvoir d'achat des ménages, le gouvernement suspend, à compter du mois de mai 2022, et ce jusqu'à la fin de l'année, les remboursements de l'avance d'un mois de salaire accordés au début de l'année aux fonctionnaires des secteurs publics, parapublics et aux retraités. 2. Suspension du paiement des taxes de tickets de marché sur toute l'étendue du territoire national. Le gouvernement décide de ce qui suit. Pour compter du 1er mai 2022 et pour une durée de 3 mois, le paiement des taxes de tickets de marché est suspendu dans tous les marchés sur toute l'étendue du territoire national. Cette mesure ne concerne pas les loyers de boutiques et de magasins. Une subvention de l'État sera accordée à cet effet aux structures de gestion des marchés, EPAM et mairie, afin de leur permettre de faire face au manque à gagner. Le gouvernement compte sur le sens de responsabilité des acteurs concernés pour l'application stricte de cette mesure. 3. Plafonnement des prix des produits locaux et importés. Le gouvernement décide de ce qui suit. Concernant les produits locaux, les prix du maïs, sorgho, haricot, petit mil et riz sont plafonnés. Concernant les produits importés, les prix de l'huile végétale, du lait, de la farine de blé et des concentrés de tomates sont également plafonnés.
Ces produits seront exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée TVA à l'importation. Le gouvernement invite tous les acteurs au respect de ces prix plafonds. Des contrôles stricts seront effectués par des équipes mixtes sur toute l'étendue du territoire pour s'assurer de l'effectivité des présentes mesures. La population est appelée à dénoncer toute pratique anormale de commerce au numéro vert 85 85. 4. Baisse des taux d'intérêt pour l'accès aux produits du FNFI dans les zones les plus vulnérables. Le gouvernement décide de la baisse des taux d'intérêt des services du FNFI de 2 points sur l'ensemble du territoire national et en particulier dans les zones les plus vulnérables. Cette baisse est valable pour tous les crédits obtenus depuis le 1er janvier 2022. Le gouvernement compte sur la bonne compréhension de tous les acteurs. Fait à Lomé, le 27 avril 2022. Voilà pour ce communiqué du gouvernement sur la vie chère au Togo qui fait chaud au cœur. Édition spéciale 27 avril, ce journal sera consacré à la commémoration des 62 ans d'indépendance du Togo. Alors, Kwesan Yovodevi, que retenir de cet important discours du président de la République, Faure Essosimna Gnassingbé? Nous revenons. Disons d'abord que c'est un discours qui colle vraiment. Il a donné l'occasion au président de la République de réaffirmer son engagement de faire du Togo un pays de progrès. Le message du chef de l'État a apporté plus d'éclairage sur les différents pans et secteurs de notre pays, à savoir la santé, l'économie, la sécurité, la politique, l'éducation, le social et j'en passe. Et pour mieux saisir la portée de ce discours, il ne faut surtout pas s'écarter du contexte particulier que nous vivons. Le président de la République le souligne si justement, le monde traverse aujourd'hui une conjoncture très difficile, marquée par plusieurs crises, notamment la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19, la guerre en Europe et le terrorisme et l'extrémisme violent sur le plan régional et sous-régional, entre autres. Bien évidemment, ces crises ne sont pas sans conséquences sur notre vie. Les économies de nos pays en souffrent. Et il faut le dire, ce contexte donne encore plus de relief à ce message du président de la République et met en lumière la résilience du Togo. Sur le plan de la santé, notre pays, à l'instar des autres pays, connaît la crise sanitaire. Mais il faut le reconnaître, le Togo a fait preuve d'agilité et d'innovation face à la Covid-19. Le président de la République l'a mentionné. Le pays s'est montré résilient et a préservé l'essentiel. Aujourd'hui, les statistiques se sont grandement améliorées grâce à la gestion rigoureuse que le Togo s'est imposée face à la pandémie. Le chef de l'État exprime à ce sujet sa gratitude à tous ceux qui ont œuvré pour gérer et contenir la crise et sa compassion à l'endroit des familles qui ont perdu des parents et souhaite une prompte guérison à ceux qui sont encore aux soins. Le chef de l'État recommande la poursuite de la campagne de vaccination et le respect des gestes barrières et il nous invite à la vigilance constante. Toujours sur le plan de la santé, le président de la République insiste sur la nécessité de consolider les acquis du Togo dans ce domaine avec l'assurance maladie universelle et la construction des infrastructures. Au rang de ces acquis, dans le domaine de la santé, le programme OESO qui accompagne la femme enceinte et le nouveau-né. Ce programme continue de susciter beaucoup d'engouement, a reconnu le chef de l'État. Sur le plan économique, il y a lieu de rappeler que la crise sanitaire a frappé durement la plupart des économies du monde. L'économie togolaise n'a pas été épargnée, bien évidemment, mais elle n'a pas rompu, elle n'a pas été mise à genoux. Le Togo s'en sort plutôt bien, c'est le lieu et l'occasion de le dire. Elle affiche un taux de croissance de 5,3% pour l'année 2021. Une réelle performance plutôt, a reconnu le chef de l'État qui préconise la poursuite des efforts en s'appuyant sur les forces de notre économie. Et une de ses forces, justement, c'est bien l'agriculture. Le président de la République a rappelé alors les stratégies mises en œuvre pour améliorer de manière significative la productivité et les rendements dans ce secteur.
Cela passe par la transformation structurelle de notre agriculture avec la création d'une agence de transformation agricole, le renforcement des financements, la mécanisation, l'irrigation, l'accès des paysans aux engrais à prix subventionnés. Le président rappelle par ailleurs l'implication du secteur privé dans la réalisation des ambitions du pays. Le secteur privé pourra, à loisir, tirer profit du cadre réglementaire de la commande publique qui a été revu. Dans le même esprit, pour le chef de l'État, il faut continuer d'encourager le dynamisme des jeunes hommes et des jeunes femmes. Bien entendu, la réserve de 25% des marchés publics aux jeunes et aux femmes participe à cette démarche. Vu que la crise sanitaire et sécuritaire a affecté notre pouvoir d'achat, le pays doit continuer de se montrer solidaire vis-à-vis des plus vulnérables. Ainsi donc, pour lutter contre la vie chère et soutenir le pouvoir d'achat, le président de la République a indiqué que des mesures seront annoncées par le gouvernement. Autre sujet abordé, non moins important, un sujet crucial, dirions-nous, le défi de la sécurité. Un défi majeur, clé de voûte de toute action de développement. Le président de la République a indiqué que le terrorisme et l'extrémisme violent mettent à rude épreuve la quiétude des populations et la stabilité des États. Il en appelle à une prise de conscience collective de ces fléaux et à la recherche de solutions durables. Il a rappelé l'attaque terroriste dont le Togo a été victime à Sanloaga, dans le Kwendjal, repoussée par les forces de défense et de sécurité. Le président de la République félicite à cet égard les forces armées pour leurs actions, s'incline devant la mémoire des soldats qui ont perdu leur vie dans l'exercice de leur mission, redit sa compassion à leurs familles et réitère sa solidarité à leurs frères d'armes. L'éducation, autre domaine visité. Nous retenons que dans ce domaine, le Togo affiche une grande ambition pour répondre aux besoins de ce secteur. Recrutement et renforcement des capacités des enseignants, construction d'infrastructures, discussion avec les partenaires sociaux pour renforcer la dynamique de consultation. Le président de la République, à ce sujet, invite les acteurs du secteur à proscrire certains comportements comme les attitudes de défiance, le non-respect des textes, etc. Il s'est montré ferme sur la question. Et sur le plan de la gouvernance, le chef de l'État préconise une gouvernance innovante soutenue par des innovations technologiques pour assurer l'inclusion sociale, financière et numérique de tous nos concitoyens. C'est la raison pour laquelle, a-t-il expliqué, le pays a adopté la stratégie Togo Digital 2025 qui vise une transformation digitale pérenne. Pour ce qui est de la politique, le président de la République affirme que notre démocratie continue de se consolider. Il évoque la décentralisation qui est désormais une réalité de notre quotidien. Elle renforce l'implication des acteurs locaux qui seront outillés, c'est prévu, par une agence nationale de formation des collectivités territoriales en voie d'opérationnalisation. Le processus sera complété avec l'organisation des élections régionales pour l'année prochaine. À l'occasion de la célébration du 62e anniversaire du Togo, le chef de l'État a rendu hommage aux héros de l'indépendance à l'entame de son message. Leur sens de sacrifice, a-t-il dit, nourrit notre engagement à poursuivre résolument l'œuvre de construction du Togo. Le président de la République invite par ailleurs les Togolais au renouvellement de leur attachement aux valeurs qui fondent notre vivre ensemble, en faisant preuve de discipline, de civisme, de patriotisme et de solidarité. Merci, Kwesan Yovodevi, pour cet éclairage. Le 27 avril est aussi marqué par un défilé. Les militaires et le public sur la place des fêtes, 5000 militaires et paramilitaires ont défilé ce matin, une parade d'envergure devant des spectateurs exclusivement masqués. Le président de la République, Fort Essozimna Nyasimbe, y a pris part. Les images à son arrivée sur le site. Passage en revue des troupes, Ramdan Bassina. Sur son deuxième anniversaire de l'accession à la souveraineté internationale du Togo, c'est le chef de l'État, Fort Essozimna Nyasimbe, chef des armées, qui donne le ton. Debout sur son quart de commandement et entouré de la troupe d'honneur, il passe en revue les forces en place. Debout tel un seul homme, l'assistance exécute l'hymne national.
Autour des valeurs de paix, de solidarité et d'amour, le peuple togolais fête son indépendance. Un défilé prudent sous passe sanitaire. La parade du 27 avril a pu avoir lieu encore cette année. Nous vous laissons profiter du spectacle des extraits du défilé militaire commenté par Ekwe Salah. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef des armées, les forces de défense et de sécurité, sous les ordres du colonel Gado Biwisoua, commandant des troupes, demande très respectueusement l'autorisation pour le début du défilé. Colonel Gado, je vous salue, ainsi que vos troupes, drapeaux et fanions. Vous êtes autorisés à lancer le défilé. Le ton est donné par le chef de l'État, Fort Essozinanya Sindé. Ouvre le banc, la gendarmerie nationale. Dans un mouvement d'ensemble, la troupe fait voyager le public. Cachet spécial à la gente féminine. Et c'est au tour de l'armée de l'air. Elle assure la protection de l'espace aérien national. La marine nationale, par contre, veille aux intérêts du Togo en mer. Plus de 400 hommes et femmes mènent la lutte au sein de ce corps. Leurs ennemis quotidiens, les pirates et les criminels de la mer. Entre en scène, les unités de l'armée de terre, la plus grande composante de l'armée togolaise. Régiment de soutien et d'appui, 1er et 2e régiment d'infanterie, corps des sapeurs-pompiers, tous ont marqué le pas. Changement de cadence et voici venir les éléments du régiment parachutiste commando. Majesté, détermination et prestance caractérisent leur passage. Dans la foulée, le régiment commando de la garde présidentielle chargé de la sécurité et de la protection du chef de l'État. Ferme le banc du défilé à pied, les écoles militaires. En vedette, la prestigieuse école du service de santé des armées de Lomé et Sal. Elle forme depuis sa création des médecins militaires compétents de plusieurs nationalités. Pendant ce temps dans les airs, la parade de la flotte aérienne en appui aux engins motorisés au sol. Des véhicules blindés et autres artilleries lourdes font leur parade. Ils démontrent la capacité opérationnelle des forces armées togolaises. Une armée bien formée et bien outillée pour défendre l'intégrité du territoire national, lutter contre l'insécurité et le terrorisme dans la sous-région. 62 ans déjà que notre pays accède à la souveraineté internationale, le 27 avril 1960, un événement solennel témoigné par un défilé paramilitaire. Commentaire sur image, Tchazina Mbaga. Deux pelotons de femmes pour ouvrir le défilé paramilitaire. La police nationale dit merci au président de la République, chef des armées Nyazinge Soazemna,
et s'engage ainsi à la réussite du projet d'intégration du genre et de l'autonomisation des femmes dans le secteur de la défense et dans les opérations de maintien de la paix. Le bataillon de la sécurité publique en parade s'occupe de la prévention et de la répression de la criminalité. Il intervient également dans la délivrance des documents administratifs, notamment la carte nationale d'identité. La compagnie républicaine d'intervention CRI, elle se distingue principalement par son professionnalisme dans le maintien et le rétablissement de l'ordre public, dans le respect des dispositions légales et avec des moyens conventionnels. C'est la première fois que les élèves officiers de la police nationale paradent. Formés à l'école supérieure des forces de sécurité à Davier, ces aspirants sous-lieutenants veulent mettre leurs pas dans ceux de leurs dévanciers pour le succès des objectifs de la police nationale. La police nationale, c'est aussi la brigade canine. Elle participe à la détection des stupéfiants, des explosifs et la recherche des personnes disparues ou ensevelies sous les décombres. Créée en 2016, elle intervient à l'aéroport, au port et dans les centres de conférence. Une nouvelle tenue pour les troupes du commissariat des douanes et des droits indirects de l'Office togolais des recettes. C'est l'une des retombées directes de la première année de mise en œuvre de la loi de programmation militaire au sein des FACTS et de l'ensemble des paramilitaires. Cette loi a permis également la montée en puissance capacitaire de tout l'appareil sécuritaire. Dans le contexte de la réforme portant gestion intégrée des régies impôts et douanes, le commissariat des douanes et des droits indirects de l'OTR s'est fixé deux objectifs. La dématérialisation de toutes les procédures en lien avec la feuille de route du gouvernement et la lutte contre la concurrence déloyale. L'ambition du gouvernement de parvenir à une couverture végétale de 25% d'ici à 2025 et de planter 1 milliard d'arbres à l'horizon 2030 ne serait que leurre sans la présence du corps des eaux et forêts. Créé à l'époque coloniale, c'est un corps de métier d'ingénieurs, de techniciens et de surveillants de forêts. Leur mission première est d'assurer la sauvegarde, l'exploitation durable et le développement du patrimoine forestier national. Communément appelés forestiers, ils ont reçu une formation militaire toutes armes pour leur permettre de lutter efficacement contre le braconnage. Ils sont affiliés au ministère de l'Environnement et des Ressources forestières. En tête des troupes du corps de surveillance de l'administration pénitentiaire, le chef d'escadron Bidé Akawalo. Créé en janvier 2009, suite à la dissolution du corps des gardiens de préfecture, il a en charge la surveillance des 13 prisons du Togo en plus de la brigade pour mineurs de Lomé. Il relève du ministère de la Justice et des relations avec les institutions de la République. En plus d'une formation militaire de base, ils reçoivent une formation professionnelle au centre de formation des professions de justice. Les officiers, sous-officiers et militaires de rang des forces armées togolaises qui sont frappés par la limite d'âge de leur grade sont désormais constitués en une réserve opérationnelle. Cette entité regroupe également des spécialistes civils ou anciens militaires qui ont signé un contrat de service avec le ministère de la Défense. Cette réserve est le fruit de la refondation de l'outil de défense nationale en vue de l'adapter aux impératifs sécuritaires et aux opérations de maintien de la paix. Ils sont enrôlés sur la base du volontariat. Débordant de patriotisme, les anciens combattants témoignent ici de leur engagement ferme à mettre leurs compétences et leurs expériences acquises souvent au péril de leur vie au service de la défense nationale. Ils expriment ainsi leur disponibilité à servir en cas de besoin. L'Association des retraités de la police nationale ferme la marche des troupes paramilitaires à pied. Elles ont toutes paradé sur la musique du régiment de soutien et d'appui, le RSA. Un impressionnant défilé motorisé s'est aussi déroulé ce matin sur la place des Fêtes, parade sous le regard attentif du chef de l'État, Fort Essozina Niasimbi, Marie-Ange Bida. Au sol, des véhicules, dans les airs, des aéronefs, du matériel haut de gamme pour assurer la sécurité des Togolais.
en tête de proue le premier bataillon d'intervention rapide équipé de véhicules de combat, des moyens adaptés au terrain capables de vaincre toute menace. Régiment blindé de reconnaissance, également de la partie à ce défilé motorisé. Une unité entraînée pour les combats offensifs avec des armes d'infanterie, de blindés ou d'artillerie. Il y a un deuxième qui arrive. À bord de leurs engins, les combattants du feu, les sapeurs-pompiers, des hommes et femmes promptes à porter secours et assistance aux populations en détresse, généralement dans les cas d'accidents, d'incendies et de catastrophes de tout genre. Le Togo est engagé pour la paix. Le pays apporte son soutien sur le continent. Illustration faite avec le centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix. La gendarmerie nationale est aussi bien présente dans ce défilé. À sa disposition, du matériel roulant. Un escadron motorisé, des véhicules légers de patrouille et d'intervention. Des véhicules lourds de transport de troupes, entre autres. L'unité spéciale d'intervention de la gendarmerie. Elle est spécialisée dans la gestion des crises et missions délicates. En démonstration à la place des fêtes, la police nationale bien équipée. Des motards, des jeeps, le fourgon d'eau, du matériel utilisé dans le maintien de l'ordre. Pour boucler la boucle, les éléments motorisés du commissariat des douanes et des droits indirects. Ils sont composés de 3 unités. Ces unités aident à la surveillance du territoire douanier national et participent à la répression des fraudes. Au-delà d'une démonstration de force, le défilé motorisé vise à rassurer le peuple togolais. Son intégrité est assurée. Et c'est justement avec le défilé des éléments motorisés qu'a pris fin cette parade du 62e anniversaire de l'indépendance du Togo et le départ de la place des fêtes du chef de l'État, Fort Essozimna Nyasimbe. Issaka Aruna. Voilà pour l'essentiel du défilé militaire et paramilitaire en présence du chef de l'État, Fort Essozimna Nyasimbe, ce matin à la place des fêtes. Et dans le même registre, toujours, avec cette fois-ci une particularité, le défilé des femmes militaires. Vous allez les voir tout à l'heure, elles sont juste magnifiques. Christine Petchekialoudé est allée à leur rencontre. Regardez. Quelques minutes avant le défilé, Peta Chatom Serene, c'est l'une des femmes de la gendarmerie nationale qui défile tout à l'heure. Poyodé, capitaine, appartient à l'armée de l'air. Défiler en ce 27 avril pour elle, c'est avant tout une mission.
En tant que femmes, nous sommes tellement contentes pour pouvoir valoriser les couleurs de la nation en défilant aujourd'hui le 27 avril 2022. Ce matin, c'est une atmosphère de fête puisque nous avons été préparés pour, donc c'est une fierté pour nous de représenter notre pays en ce jour symbolique, en ce 27 avril, le Togo a cédé à son indépendance. Depuis quelques années au sein de l'armée togolaise, de plus en plus de femmes. Préserver l'intégrité du territoire national, lutter contre les menaces terroristes, autant de défis. Sur cette avenue de Lomé 2, l'allure et la posture du personnel féminin de l'armée nationale rassurent. Détermination, engagement font le trait de caractère de ces femmes en treillis, décidées à sauvegarder à tout prix la paix. Les parachutistes faisaient également partie du spectacle saut à très haute altitude devant des spectateurs fascinés. Marie-Ange Vidal. 2500 mètres d'altitude pour atterrir à la place du défilé. Le saut en parachute fait sensation. Dans la manœuvre, 10 chuteurs. Parmi eux, 3 femmes, tous rompues à l'exercice malgré une météo pas trop clémente. Sous les applaudissements du public, les chuteurs atterrissent avec adresse, du moins la plupart. Le saut en parachute, un autre moyen opérationnel des forces armées togolaises. De jour comme de nuit, des missions de combat, de sauvetage et humanitaire sont déployées au besoin. À l'occasion de la fête de l'indépendance du Togo, une soirée culturelle a été organisée, des danses traditionnelles exécutées par 12 troupes venues de toutes les régions du Togo. Soirée dansante qui met ainsi fin à l'édition 2022 du Festival national des danses traditionnelles FESNAD. Moment fort à Bozadadia, reportage présenté par Antoinette Omao. Vous voir. Accoutrements et pratiques qui reflètent le Togo traditionnel. Dynamisme, vaillance, courage. Des valeurs cultivées à travers le Kondja de Sotoubois. La danse de Kondja se fait après 5 ans. Avant de danser Kondja, tu vas commencer quelques cérémonies. Quand tu es Golo, tu vas danser la danse là. Et Golo, c'est celui-là qui a fini cette tradition. Des rythmes endogènes qui mettent en scène les activités champêtres et de chasse dans le Yoto. Et quand le public redécouvre le Togo dans toute sa splendeur culturelle, cela se régale. Nos enfants aujourd'hui ne connaissent pas nos cultures, mais cette soirée a permis encore une fois à ce qu'ils puissent, à ce que nous tous nous puissions encore redécouvrir nos traditions que nous avons peut-être oubliées au profit du hip-hop. Toutes les danses m'ont marqué, mais je peux aussi, ce qui m'a plus marqué, il y a ceux de Dankwen et celui de Boadé. 12 troupes y prennent part, une vitrine de valorisation des danses du terroir. Cet événement qui met au goût du jour toute la richesse artistique et culturelle de nos différentes communautés. En quelques années, grâce au doigté du chef de l'État, son Excellence M. Faure Sozdania Simbé, et à la volonté constante et renouvelée des gouvernements successifs, le FESNAD a grandi et se positionne aujourd'hui comme l'un des plus grands rendez-vous culturels de notre pays.
Chaque troupe repart avec une enveloppe de 400 000 francs CFA, un trophée et une attestation de participation. De quoi les galvaniser à perpétuer les initiatives de sauvegarde de ce pan de notre patrimoine culturel. L'actualité, c'est aussi le COVID-19. À ce jour, mardi 26 avril 2022, c'est un communiqué qui date d'hier, donc 26 avril 2022, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 36 983 de nouveaux cas. Le nombre de personnes guéries est de 36 688. Le nombre de cas actifs est de 22 et le nombre de décès est de 273, chiffre rendu public par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, professeur Mustapha Mijiawa. C'est ainsi que prend fin ce journal spécial édition 27 avril. Merci de votre attention. Dans un instant, la météo. L'actualité revient à 22h30 avec Yata Aratem. Bonne fête de l'indépendance et très belle soirée à vous. Mais oui, il n'y a rien de plus joli. Avril, j'admire toutes les couleurs de mon pays. Le 27 avril, oh oui, il n'y a rien de plus joli. Le 27 avril, j'admire toutes les couleurs de mon pays. Partout dans les rues, on voit du vert, jaune, rouge, blanche étoile dans le rouge. Et la jeunesse et tous les vieux aussi chantent la gloire de mon pays. Le 27 avril, mais oui, il n'y a rien de plus joli. Le 27 avril, j'admire toutes les couleurs de mon pays. Le 27 avril, oh oui, il n'y a rien de plus joli. Le 27 avril, j'admire toutes les couleurs de mon pays. Un jour tu viendras chez moi, tu verras que c'est charmant. Tu te sentiras chez toi, comme dans les bras d'une maman. Viens, viens le 27 avril, moi je t'invite le cœur à vie. Car si mon pays est petit, grand, grand sont nos amis. Le 27 avril, mais oui, il n'y a rien de plus joli. Le 27 avril, j'admire toutes les couleurs de mon pays. Le 27 avril, oh oui, il n'y a rien de plus joli. Le 27 avril, j'admire toutes les couleurs de mon pays.